Merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi, je voudrais juste vous témoigner de mon ébahissement par rapport à l'attitude de Caterpillar face à notre commission. On savait le manque de respect de ce groupe pour les travailleurs. Pour rappel, dans ma région à Charleroi, ils ont décidé de licencier le 2 septembre dernier 2000 travailleurs, le jour anniversaire des 350 ans de la ville de Charleroi qui les accueille depuis des années, sans évidemment prévenir les travailleurs, sans prévenir les représentants syndicaux. Et vous savez, la Belgique, c'est un petit pays, hein, mais sans même prévenir, donner un petit coup de fil au maire de la ville ou au Premier ministre. Mais après tout, ça témoigne de ce que ça n'est que 2000 pertes d'emploi pour Caterpillar. Et aujourd'hui, je trouve qu'il continue cette attitude irrespectueuse et désagréable avec le Parlement européen. Et franchement, Monsieur le Président, je trouve qu'il se fout complètement de notre commission. Vous venez de le dire, la direction belge sous-entend ne rien pouvoir nous apprendre sur les accords en matière de prix de transfert entre son usine et la filiale suisse, pratiquée depuis des années. Franchement, quelle bonne blague! Est-ce que vous y croyez, vous, Monsieur le Président? Quand vous signez un contrat avec un comptable, vous ne savez pas nous dire quels sont les services auxquels vous recourez et combien vous payez. Quand vous achetez un immeuble, vous ne savez pas non plus, quand vous signez un contrat avec votre banquier ou votre notaire, vous ne savez pas ce qu'il y a dans le contrat. Eh bien, si vous le savez, tout le monde ici le sait, sauf Caterpillar. Caterpillar, depuis des années, paye des factures à la filiale suisse et ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas venir nous l'expliquer. Pas un mot sur les modalités de la délocalisation fiscale des bénéfices vers la Suisse, donc c'est-à-dire comment, depuis 15 ans, via les prix de transfert, ils ont privé nos budgets publics de millions d'euros qui auraient pu être investis dans l'économie, la santé, l'éducation, le transport modal ou le secteur social, mais qui sont juste restés dans la poche de quelques actionnaires. Bref, je trouve que c'est vraiment une transparence fiscale à la carte, je dirais même plus une opacité fiscale organisée, que je ne comprends pas, parce que si tout est transparent au sein de Caterpillar, pourquoi aucun représentant d'entreprise n'est présent devant cette commission? De quoi est-ce qu'ils ont peur? Alors pour terminer, Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais en tirer trois leçons. Primo, évidemment, c'est l'absence de moralité de cette entreprise, qui en jouant avec nos systèmes fiscaux et sociaux laisse dans de nombreux États membres une empreinte asociale indélébile. Secondo, outre la nécessité absolue d'interdire les licenciements boursiers, il faut détricoter au niveau de l'Union ces prix de transfert vers les paradis fiscaux. C'est un appauvrissement continu de nos États au profit d'entreprises dont certains n'ont aucun scrupule en matière fiscale ou sociale. Je vais leur déposer une proposition d'amendement à ce sujet. J'espère qu'il recevra votre soutien. Et enfin, et je pense que c'est la moindre des choses, Monsieur le Président, je crois que le Parlement doit fermer désormais ses portes à tout lobbyiste venant de ce groupe industriel. Leur indignité ne devrait désormais leur valoir que notre dédain. Je vous remercie, Monsieur le Président.